Le président du réseau national des quais de pêche du Sénégal, Pierre Mboup, est formel. Il n'y a pas d'accalmie à propos des vagues de départ de migrants clandestins vers l'Espagne à bord d'embarcations de fortune. Pour résumer, dit-il dans des colonnes de Libération, 10 pirogues sont introuvables depuis presque 2 mois. Il détaille, il y a une pirogue de Barny avec à son bord 173 personnes. Cela fait 2 mois qu'elle reste introuvable. Et il y en a bien d'autres, comme celle de Mbour avec 30 personnes, Caillard avec 80 personnes, il y a aussi Tiaroy, Yarak, Saint-Louis, Joal, Casamance. Toutefois, le phénomène a décimé le secteur de la pêche artisanale. Le bilan tourne autour de 1500 personnes portées disparues, déplore Pierre Mboup. Nous avons alerté les autorités pour des recherches, mais sans succès. Nous avons perdu beaucoup de pêcheurs qui tentaient l'émigration irrégulière. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous aident à les retrouver.